Dans deux leçons précédentes, nous avons eu l'occasion d'apprendre à modéliser des mouvements en utilisant le tableur et les techniques de la régression linéaire. Et nous avons également eu l'occasion d'apprendre à écrire des formules à l'aide du logiciel LibreOffice Writer, donc le traitement de texte de LibreOffice. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser nos nouvelles compétences afin d'analyser des mouvements de type rencontre entre deux objets en mouvement, donc qui à un moment donné vont voir leur trajectoire se croiser. Eh bien, je vous propose d'analyser trois mouvements différents. Le premier est représenté dans cette grille qui sera à votre disposition sous la vidéo. Une grille donc qui indique des temps et différentes positions pour un premier mobile, position du premier mobile et position du deuxième mobile. Présenter ce tableau sous forme de diagramme ne pose bien sûr plus aucune difficulté maintenant. Nous allons simplement donc sélectionner l'ensemble des données et demander la création d'un diagramme. Alors ici, nous allons sélectionner évidemment le diagramme de type XY et nous allons pour une fois ne pas prendre de ligne entre les points. Pas de grande difficulté, rien à dire dans l'étape 2, rien à dire dans l'étape 3. Et maintenant, nous sommes déjà à l'étape 4 de la création du diagramme. Alors, dans ce diagramme, nous avons clairement ici sur l'abscisse les temps, qui sont donc exprimés en secondes. Sur l'ordonnée, nous avons donc les positions des deux mobiles. Ces positions sont données en mètres. Et le titre du diagramme pourrait être simplement « Rencontre numéro 1 ». Voilà, pas besoin de sous-titres, peut-être ajouter l'axe X, la graduation selon l'axe X pour que ce soit plus facile à lire. Et nous avons donc terminé ce diagramme, je vérifie, oui, nous avons donc une légende qui est significative, nous avons terminé. Alors nous allons maintenant pouvoir commencer l'analyse par régression linéaire. Donc pour cela, je vais commencer par le mobile numéro 1, donc en bleu. Je vais donc cliquer droit et demander l'insertion d'une courbe de tendance. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une courbe, puisqu'on va prendre la régression linéaire. Et pour ce mobile bleu, le mobile 1, donc pour ce mobile bleu, nous allons donc l'appeler bleu pour le reconnaître. Nous allons demander de forcer l'ordonnée à l'origine à 0. Effectivement, le point 0, 0 fait partie des points qui sont connus et qui sont certains. Et nous allons demander d'afficher l'équation. Voilà, nous avons donc maintenant cette équation, l'équation que je vais rapprocher de la droite de régression. On va faire exactement la même chose pour l'autre mobile, donc j'insère une courbe de tendance, je demande l'équation, mais bien sûr ici je ne demande pas de passer par le point 0, 0, puisque nous voyons que le mobile numéro 2 a démarré à la position 20 mètres sur son référentiel. Donc je ne demande que l'équation et rien d'autre. Voilà, j'ai donc cette deuxième équation qui correspond au mobile rouge. Voilà. Donc, notre travail avec le tableur est terminé. Il nous reste juste à déterminer la position du point de rencontre. Alors, avec les chiffres qui sont donnés ici, c'est très facile, bien sûr, puisque nous voyons qu'au bout de 50 secondes, le mobile numéro 1 se trouve à la position 40 mètres, et, comme c'est curieux, le mobile numéro 2 se trouve lui aussi à la position 40 mètres. Autrement dit, ils se trouvent au même endroit, ils se sont rencontrés. Est-ce que l'on peut déterminer mathématiquement maintenant la position du point de rencontre? Eh bien, ça n'est vraiment pas difficile. Mais pour ça, il faut faire un petit peu d'écriture. Donc, je vous propose maintenant de passer au traitement de texte. Et dans notre programme de traitement de texte, nous allons écrire les relations mathématiques qui sont trouvées ici à l'aide du tableur. Donc, nous allons parler maintenant de la rencontre numéro 1. Pour cette rencontre numéro 1, je vais donc dire que la position en fonction du temps pour le mobile rouge est égale à 0,4
fois, non pas x, mais le temps, plus 20. Je vais écrire cette équation à l'aide du logiciel de traitement de texte. Alors, soit vous avez pris la précaution de déjà insérer un bouton, de déjà mettre à votre disposition un bouton pour écrire les formules, ou alors dans le menu insertion, objet, vous choisissez formule, ou, mais ça tous les systèmes d'exploitation ne le permettent pas, vous frappez le raccourci Alt-I pour ouvrir le menu insertion, J pour ouvrir la commande objet, et F pour la formule. C'est vraiment très rapide et c'est donc la solution que j'utiliserai. Mais vous pouvez bien sûr utiliser chacune des deux autres solutions. Donc, je vais écrire l'équation pour la position selon dans le cadre du mobile rouge. Donc, la position X du mobile rouge qui est le deuxième. C'est le deuxième. Donc, X indice 2 est égal à 0,4 fois le temps plus 20. Voilà ma première équation. Mais à l'endroit de la rencontre, je peux dire qu'elle est égale à la deuxième équation. Autrement dit, 0,8 fois, non pas x, mais le temps. Donc 0,8 fois le temps. Et voilà ma première équation quasiment écrite. Je peux encore dire que ceci est égal à x1. Voilà. Première équation terminée. Je vais maintenant faire quelques transformations dans ces équations. Rien que des transformations simples, bien sûr. Alors, première transformation, c'est que je vais faire passer tous les t du même côté, tous les multiples de t du même côté. Donc, je vais écrire que 20 est égal à 0,8 fois le temps, plus le 0,4 temps, donc moins, je corrige, moins 0,4 fois le temps, ce qui me donne donc que 20 est égal à 0,4 fois le temps, ou encore que le temps est égal à 20 en équation, JF, 20, le temps est égal à 20 divisé par 0,4. Je prends alors la calculette. Et je calcule tout simplement que 20 divisé par 0,4 est égal à 50. Donc, je peux reprendre mon équation et donc écrire égal 50. Alors, c'est tout à fait rassurant. C'est ce que nous avions trouvé graphiquement, sans faire le moindre calcul, sans faire le moindre raisonnement. Voilà pour la première rencontre. Je vous en propose une deuxième. Rencontre numéro 2. Et cette rencontre numéro 2 se trouve sur ma deuxième feuille de calcul. Pour cette deuxième situation, le tracé du diagramme est à nouveau extrêmement simple, donc je vais passer assez vite sur ce point-là. Je sélectionne les données, je trace le diagramme x, y, je passe à la quatrième étape, avec le titre rencontre 2. L'axe x est toujours occupé par le temps en secondes, et l'axe Y est toujours occupé par les positions exprimées en mètres. Je vais demander l'affichage de la grille, et mon diagramme est ainsi complet. Je vais terminer. Nous pouvons alors passer à l'étape d'analyse. Donc, pour le mobile numéro 2, pour commencer, pourquoi pas, je vais donc insérer une courbe de tendance linéaire. Alors ici, je ne vais pas forcer l'origine à 0 forcément, puisque je ne passe jamais par le point 0. Par contre, je vais demander d'afficher l'équation. Et je vais l'appeler rouge. Voilà qui est fait. Puis, je fais exactement la même chose pour l'autre. J'insère la courbe de tendance linéaire. Ici, je peux forcer l'ordonnée à 0. Je vais afficher l'équation et je l'appelle bleu.
les deux équations se télescopent un peu, donc je vais approcher l'équation bleue de la régression bleue, qui est là. Et bien voilà, je peux recommencer cette fois-ci avec le traitement de texte, à écrire les équations. Voilà, qui est un peu plus clair peut-être. Donc, je reprends mon traitement de texte, et pour la rencontre 2, à nouveau, j'écris que x indice 2, je peux commencer par L de nouveau, est égal à moins 0,4 fois x plus 40. Et ça, au moment de la rencontre, je peux dire que c'est égal à, je me trompe, c'est 0,4 fois le temps. Et au moment de la rencontre, c'est bien 0,8 fois le temps. Et ça, c'est égal à x1. Voilà. Il n'y a plus qu'à calculer. Alors, pour calculer, je peux écrire tout simplement que 40 est égal à 0,8 fois le temps plus 0,4 fois le temps. Ou encore que 40 est égal à 1,2 fois le temps. Et finalement, que le temps est égal à 40 divisé par 1,2. Alors, je vous montre ici que l'on peut aussi sélectionner l'équation, et puis, AltJF, voilà, 40 divisé par 1,2. Alors ici, si je le souhaite, je peux à nouveau appeler ma calculette au secours. 40 divisé par 1,2 égale 33,3. Et j'ai donc que le temps au moment de la rencontre est à 33,3 secondes, ce que nous pouvions éventuellement plus ou moins voir sur le diagramme, mais qu'il eût été un peu difficile peut-être d'assurer que c'était à 33,3 sans faire le calcul. Bien, cette deuxième rencontre étant épuisée, je vous propose de passer à une rencontre du troisième type cette fois. Et avec de nouveau des temps entre 0 et 50 secondes, des positions qui changent de manière un peu moins dramatique que dans les deux autres cas. Et la question ici va être, peut-on déterminer à quel moment et si les deux mobiles, les deux objets en mouvement vont se rencontrer, vont se croiser à un moment? Alors, le diagramme, pas de problème. Le voilà. Ou presque déjà terminé. Donc, rencontre 3, l'axe X, les temps en secondes, l'axe Y, les positions en mètres, et je demande d'afficher les grilles verticales et horizontales. Voilà, ici, c'est beaucoup moins trivial que de savoir si les deux mobiles vont se rencontrer, et encore plus, savoir à quel moment ils vont se rencontrer et à quel endroit. Alors, pour cela, on reprend le même raisonnement que d'habitude, la modélisation mathématique. Alors, je vais commencer à nouveau par le 2, une fois n'est pas coutume. Insérer une courbe de tendance, linéaire, afficher l'équation, et je ne démarre pas à 0. Donc, je pense qu'avec ça, j'ai presque tout. Je l'appelle rouge. Je fais la même chose avec l'autre. Courbe de tendance, je l'appelle bleu. J'affiche l'équation. Cette fois-ci, je force l'ordonnée à l'origine. Et OK. Voilà, j'ai donc l'équation bleue là, l'équation rouge là. Je peux recommencer le traitement mathématique que je vais écrire dans le traitement de texte. Donc allons-y pour la rencontre 3. C'est exactement le même raisonnement que pour les deux autres cas. Je vais donc dire qu'au moment de la rencontre, les deux équations s'équivalent, ont la même valeur. Donc je peux écrire que à ce moment-là, x indice 1 est égal à 0,22 fois
le temps. Et ça, c'est égal à 0,2 fois le temps plus 5. Et c'est la valeur de x2. Voilà mon équation posée, il n'y a plus qu'à résoudre. Alors, la résolution ne pose pas de grosses difficultés. Je vais écrire que 0,22 fois le temps moins 0,20 fois le temps est égal à 5. Autrement dit, 0,02 fois le temps est égal à 5. Ou encore, le temps est égal à 5 divisé par 0,02. Je rappelle ma calculette à l'aide. 5 divisé par 0,02, 250. Le temps 250 secondes, bien sûr, sera le moment de la rencontre. Alors, on ne le voit évidemment pas sur le diagramme, ça va être difficile. Alors, pour se persuader que c'est correct, bien sûr, je peux prolonger. Donc, 45,50, je vais prolonger le diagramme bien plus bas, jusque, voilà, jusque 260, c'est bien. Puis, les deux autres colonnes, dont les mouvements sont parfaitement rectilignes et parfaitement réguliers, je prolonge, et je vois qu'au temps 250 secondes, comme le calcul vient de me le montrer, les deux objets se trouvent à la position 55 mètres. On peut évidemment aussi calculer la position si l'on connaît le temps et que l'on connaît une des deux équations. Le moment de la rencontre, 0,22 fois le temps. La position de la rencontre est égale à 0,22 fois le temps. Le temps qui est de 250 secondes. Donc 0,22 fois 250 égale, calculette à l'aide, 250 fois 0,22, 55, c'est bien la valeur qu'on attendait. Il s'agit bien de la position de la rencontre, et cette position de la rencontre est exprimée bien sûr en mètres. Donc, le calcul mathématique, l'analyse mathématique et la modélisation nous donnent exactement le même résultat, bien sûr, que l'extrapolation avec le tableur. Nous avons donc maintenant analysé trois mouvements différents, toujours de la même façon, déterminer les équations des mouvements. À l'endroit de la rencontre, la valeur d'une équation est égale à la valeur de l'autre équation, et partant de là, on détermine donc les positions, éventuellement, donc les temps et éventuellement les positions, comme je viens de le faire pour la dernière rencontre. Voilà, à bientôt pour d'autres aventures physiques et mathématiques.